Salut petit bonhomme. Ça va? Salut. Encore, encore. Ah, t'es un grand fou quand même. C'est incroyable. C'est sur les jouets. D'accord, change rien. Très bien. Très bien, et pour nous et pour vous. Ah mais j'en doute pas que c'est simple. C'est pour aujourd'hui ça? Tu vois que c'est bien avec lui, tu regardes les leçons, tu sais tout ce qu'il y a. On a pour longtemps, docteur. Mais bouge pas, je vais te piquer. Tu aurais pu attendre ce soir. Non, j'aime pas te voir négligé. Tu devrais demander à ta mère qu'elle te décousse quelques boutons. Ouais, oh, mec, boutons toi-même, tiens. N'empêche, tu devrais mettre de la pommade, hein, je t'assure. Tu crois? Déjà que j'ai la peau grasse. T'es sûr que tu veux pas que je t'accompagne? C'est vraiment rien, tu sais, faut pas s'inquiéter. Je m'inquiète pas, mon frère. On va bien savoir. Et ton travail? Je peux t'appeler après la consultation, si ça te rassure. Mon travail? Bah non, je t'ennuie. En plus, j'aime pas ça. Et puis en plus, c'est lundi, alors... Bon, écoute, on fait comme on l'a prévu, hein? On se retrouve ce soir, d'accord? Quelqu'un. On arrive. Hein? Qu'est-ce que tu disais? J'ai envie de faire caca. Écoute, on arrive là. Je vais être en retard. Maman, on m'a dit que c'était toi qui avais l'enveloppe de la cantine. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Maman, on m'a dit que tu avais mise dans la poche de ton imperméable. Tu viens me chercher ce soir, c'est ta semaine? Oui, je sais. Allez, je t'embrasse. Tu me promets d'être sage, hein? Je l'ai déjà promis à maman. Vous n'avez qu'à vous arranger ensemble. Fatigué? Ouais, tu rigoles jamais, je suis fatigué. T'as eu ta correspondance hier? Non, je l'ai ratée. Tu vois, je t'avais prévenu. Ouais, c'est ça, faire marcher les gens. Quelle idée d'habiter le Val d'Argenteuil aussi. Quelle idée. Quelle idée d'avoir des parents un peu cons, surtout. T'as pas tant que ça? Non, non, mon métro est direct, j'en ai à peine pour un quart d'heure. T'auras pas le temps de prendre ton café. Il manquerait plus que ça. Bah, avec ton patron. Il n'est pas content, c'est la même chose. Réaumur, hein. Alors n'oublie pas, l'arrêt, c'est Réaumur. Réaumur. Au quai 9, ce soir.
Tu devais venir hier soir. J'ai pas pu. Tes parents ? Montaigne. Qui c'était la gonzesse avec qui tu parlais hier au cheval ? Une nouvelle. Ah, elle est bien, hein ? Elle monte bien ? Ouais, enfin, c'est normal, elle a fait un stage cet été. Ah bon, où ça ? En Bourgogne. De qui vous parlez, là ? La petite minette avec le blouson rouge hier. Blonde, là, très chouette. Attends, blonde, très chouette ? Ah, nous autres, je me... C'est elle ! J'ai pas de blouson rouge. Ouais, moi, t'es très chouette. C'est moi qui frappe. Commence pas tes singeries, hein. Dis bonjour à Madame Ibanez. Aujourd'hui, c'est lundi. Qu'est-ce que tu vas nous faire faire? Tiens, Radre, va demander Pepe des gâteaux. Tenez, l'enveloppe de la cantine pour la semaine. Gilles, viens, embrasse ta maman, elle s'en va. Oh merde! Oh, c'est pas vrai, merde, merde! Buva. Toi, on peut dire au moins que tu commences bien ton lundi. Déjà que mon dimanche était pas mal. T'en es où? Avec ta femme? On se parle plus. Oh, le mariage. Quelle belle invention. Y a pas un homme là-dessous? Si au moins c'était ça, je comprendrais. Avec les femmes, comprendre. Tu es pas en avance. D'habitude, c'est toujours le premier. J'ai raté ma correspondance. Oh, c'est mal ça. Vous m'attendez, je dépose la petite et je reviens. Bah, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai mon travail. J'en ai pour deux secondes. C'est trop long. C'est pour vous. Vous aimez les croissants? Fallait pas. Si, si. Merci. J'avais de la farine sur le nez. Le suivant. Votre nom, c'est bien Paul. Paul, oui. Tasson. Paul Tasson. Vous avez quel âge? Pas loin de la cinquantaine. Côté 49 ou côté 51? Au côté, enfin plutôt au-dessus. Vous habitez toujours le Val d'Argenteuil, cité Noiseau ? Immeuble F, oui. Bon, ben on va voir. Vous m'avez bien tout rempli. Dites, pour la Dordogne, je ne serais pas contre. Très bien. C'est tout. Je voulais juste vous connaître, comme ça. Ah, vous ne pouvez pas me dire autre chose ? Non, pas pour l'instant. N'ayez crainte, vous aurez de nos nouvelles. Mais sans faute. Le temps qu'ils étudient votre dossier. Mais en général, il faut beaucoup de temps. Ils font une petite enquête, analyse votre graphologie. J'aurais peut-être dû m'appliquer un peu plus. C'est très bien, je vous ai dit. Vous voulez pas que je vous téléphone? Non, c'est nous. On vous écrira. Au suivant. Votre nom? Tasson. André Tasson. Profession?
électricien. Vous êtes électricien? Mon mari. Vous avez des enfants? 3. Une grande fille et 2 garçons, dont un au régiment. Adresse de l'entreprise où travaille votre mari? Mon roi et fils, 18 impasse Aubervilliers dans le 19e. Vous avez leur numéro d'URSSAF? Ah non. J'ai que la carte de sécurité sociale de mon mari. Vous n'avez pas un de ces bulletins de salaire, c'est écrit dessus? Ah non, il m'a donné que cette carte. Il travaille à Paris, votre mari? Oui. Vous ne pouvez pas lui téléphoner? C'est-à-dire, il travaille, là. Vous vouliez voir qui? Le docteur Louis, j'ai un rendez-vous. Pour les yeux? Oui, celui-là. Faudra te penser à aller lui demander ces bulletins à votre mari, c'est important. Si vous avez des examens, vous risquez de payer plein tarif. J'ai jamais été malade. Vous allez vous asseoir là-bas, on vous appellera. Le docteur commence ses consultations à 10 heures. À 2 pas de la Madeleine, 240 mètres carrés. Un standard, oui. 5 lignes groupées. Très calme. J'ai dit très calme. Demain matin, si vous voulez. 10 heures. Vous avez l'adresse? Au théâtre des Mathurins, oui. Entendu, j'y serai. À votre service, monsieur. Jeanne, par pitié, parlez un peu moins fort au téléphone, je suis à rendez-vous. C'est moi ou la rue? Oh, je sais, oui, je sais. Hey, oh! Au travail, alors! Est-ce qu'on a un petit cadavre? Ouais, le haut de celui-là. Ouais. Tapez un peu moins fort à la machine, je vous en prie, Catherine! Oh! Dites, Jeanne, je suis embêté, j'ai un client là qui veut voir le disco shop ce soir, à 18h. Bah, je peux y aller? Cette semaine, c'est mon mari qui s'occupe des enfants. C'est vrai? Vous m'arrangez ce coup-là? Moi, j'ai déjà mal au crâne à cause des travaux et l'autre qui veut que je tape moins fort. Ben, commence bien la semaine. Pas trop mal, non. Sérieusement, tu rigoles? Non. Je vois un type tous les matins. Je crois bien qu'il me plaît. Ben, qu'est-ce qui vous est arrivé? La mer est mauvaise aujourd'hui. Il y a un vent d'au moins force 5. Hé, hey, Benoît, où allez-vous? Je changer. J'ai du linge sec dans ma cabine. Madame, vous avez quelqu'un à caisse? J'arrive. Mais tout est en vrac dans la réserve. Faudra manger ça, hein. Des chaussures de ville noire à 120. Pour la vitrine, vous mettrez celle-là. Et celle-là, qu'est-ce que j'en fais? Bah, vous allez par terre. Mais qu'est-ce que vous avez, Annick? Vous êtes pas réveillée? Bah, je voulais les ranger. Et les ranger où? Vous voyez bien que tout est en vrac. Bon, alors c'est du 44, ça? Ouais, ouais. Alors ça vous fera 135 francs, monsieur. Ah non, la jeune dame m'a dit 120. Je crois que vous êtes trompé. C'est du 44. Ouais, c'est ça. Annick! Annick! Annick, mais qu'est-ce que vous avez? Vous rêvez? Depuis quelque temps, vous êtes vraiment pas dans votre assiette. Je m'excuse.
avez? Madame de Beaumont. Ah, vous êtes, c'est... Oui, je suis parti des... J'ai pas entendu monter les autres ce matin. Ah bon? Ok, c'est pas étonnant avec le tout comme fait ce machin, j'entends rien dans les étages. Vous pouvez... bouton du quatrième. C'est au-dessus de mes forces. Vous ne sentez pas bien? Je suis en comme une bille. Oh, les femmes, alors. Sacrée bestiole, non? Font du dégât. Excusez-moi, je suis en retard. J'avais un rendez-vous, alors je n'ai pas pu faire autrement. Non, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe, là? Nous n'avons plus de lumière. C'est M. René et M. Bernard qui vont être contents. Ah, ils sont là? Vous revoulez du café? Oh, un grog pour moi, plutôt. Ah, alors, qu'est-ce que t'as foutu? T'aurais pu prévenir? J'avais un rendez-vous. Puis, la grande, là, je l'ai décidé pour son œil. Quoi, son œil? Tu sais bien. Ses taches, ça la gêne, maintenant. Alors, je l'ai accompagné chez le docteur, lui. Et alors? C'est grave? Je crois pas, mais enfin, faut être prudent, quand même. Aujourd'hui, tu seras clair, toi. Ah, dis donc! Bah, à propos de clarté, t'as trifouillé le compteur ou pas? On n'a plus de lumière. C'est le tout électrique, ici. Tu vois un peu? Oh! Toi, tout ta bédine. Plutôt mon sorbet, oui. Vous avez attendu longtemps. J'ai préféré arriver en avance. J'aime pas être en retard. Je parle de votre œil. Vous avez tardé à venir me voir. Commencez à sentir? Il m'irrite moi. Ça va vous calmer un peu. Comment va votre mari? Bien. Un dimanche, s'il a le temps, s'il n'est pas trop fatigué. Dites-lui de passer à la maison, j'ai quelques petits travaux à lui demander. Je lui dirai. Demain après-midi, c'est possible. Bon. Un examen complet, en plus. Vous êtes gentil. À propos, son genou. Ah, tant mieux. Très bien. Vous lui direz que pour la revanche, je suis son dame. C'est ça. Remerciez-le. Il peut vous prendre demain après-midi. Demain après-midi. Oui, ils vous feront une incision et vous garderont 2 jours. 2 jours? Vous aurez un examen complet, en plus. C'est grave, alors? Non, non, mais je préfère. Oh, mince, 2 jours? Mais comment on va faire? Ça va nous coûter une fortune. La clinique est subventionnée. Va falloir que j'amène ces bulletins? Oh, comme d'habitude. Oui, mais d'ici demain... Oh, on pouvait toujours chercher le compteur, hein? Là, ça va être mieux. Là, ça va être mieux aussi. Là, 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 là. Et les plombs. Les plombs? Ah bah, jamais j'aurais pensé que... Bah, parce que vous êtes pas malin, c'est tout. Bah, on pouvait pas savoir que le compteur était là, mon vieux. Dis donc, l'électricité, c'est toi? Si tu travailles avec moi, ça cause de ça. Moi, l'électricité, j'entrave que dalle. La peinture, d'accord, mais électricité que quick. Alors, ce que je sais, c'est qu'on se dégèle. Alors, montre-nous ce qu'il faut faire, toi qui es le plus fort. Bah, tu vois mon doigt? Là, tu fais...
disjoncteur. Ben, c'était quoi? Le disjoncteur. Entreprise Mauroy. Allô? Qui est à l'appareil? Allô? Vous avez assez à boire? Parce que madame, elle dit de bien vous donner à boire, hein? Ah oui, 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 non, bah sûrement. C'est joli, hein, toutes ces couleurs. Ouais. C'est un village de chez vous? Ouais. Bah, c'est joli. Ça ressemble à un dessin d'enfant, mais c'est joli. Hein. C'est mon père et mon grand-père qui m'ont appris. On peint comme ça chez nous. Allô? Mais ici, c'est une cantine. Louise? C'est André. Oh, tu m'as fait peur. Jamais eu de téléphone, ce machin. T'as vu le docteur? Oui. Mais je dois rentrer en clinique demain. Oui, pour 2 jours. Oh, 2 jours, mince, mais ça va vous coûter une fortune. Non, non, ça va, c'est subventionné. Non, mais ce qui m'embête, c'est Paul. Ah oui, il va me falloir ses bulletins d'ici demain, alors faut que je le prévienne. Et alors, t'as peur qu'il s'inquiète? Non, mais il aime pas que son patron est sévère, tu comprends? Alors il veut pas que... Enfin, sois pas idiote, André, faut pas rigoler. Enfin, et puis, c'est exceptionnel que... Enfin, moi, je serais toi, faut que t'ailles le prévenir. Tu crois? Oh, j'ai peur de... Oh, je sais pas trop quoi faire. Vas-y pendant l'heure du déjeuner. Vas-y là où il mange, si tu préfères. Hein? Mais préviens-le des fois qu'il ait besoin d'un papier spécial. C'est bien de faire des choses qu'on aime. Vous travaillez avec des libertés, quoi. C'est bien de travailler avec des libertés. Et vous, tableau, vous en faites quoi après? Monsieur et madame les vendent. Alors, même quand ils sont là, ils me laissent peindre. Ah oui. Eux, ils sont en vacances alors? Ils sont absents pour 10 jours. Pour leur travail. Ah, vous êtes peintre alors, hein? Si on veut. Je fais le ménage aussi, hein. En plus, t'as raison, hein. Une drôle de belle fille. Elle te regarde droit dans les yeux.
C'est où, Haïti? Entre la mer des Caraïbes et l'Atlantique. Même pas si truc, ça pourrait être Cuba. Ah, c'est par là? Non, pas par là, par là. Ouais. Bon, moi, j'ai jamais été bon en géographie. Hein. Tiens, regarde. Ça, c'est l'Amérique du Sud. Ici, t'as les grandes Antilles. Là, t'as Saint-Domingue. Et Haïti, c'est là. Ah, c'est tout petit. Ah ouais, c'est à côté de moi, c'est un petit peu. C'est pas mal. On vient à la place. Non mais ça me vaut pas de fauteuil ici, je peux aller vous chercher des journaux. Des cigares si vous préférez. Bah moi, je fais le boulot à votre place. Pourquoi je m'en colère comme ça? Bon, enfin, on écoute la musique, on parle pas de peinture. Non, mais vous pourriez donner un petit coup de pinceau de temps en temps, non? Haïti, j'en ai rien à foutre. Oh, tu as sorti de ton auvergne, hein? Ah oui, ça c'est vrai, t'en parlerais pas comme ça de ton auvergne. Hein. Mais alors, alors là, c'est autre chose. Labourer en Auvergne, labourer, il va bien. Écoutez la caprette du pays Limousin. Lestement, on se place dans son œuf de farbe, dans son lac 4x4, et les joueurs de son mieux. Voilà, vous avez la possibilité de choisir parmi 20 programmes. 20 programmes avec traitement biologique. Pardon. Plus 2 boîtes spéciales pour les assouplissants et l'eau de Javel. Oui, alors cette machine exécute automatiquement et selon vos désirs toutes les opérations de pré-lavage, chauffage, lavage, rinçage et essorage. Il fait partie du lot, ça? Oui, oui, absolument, absolument. Vous avez les 3 éléments, la cuisinière, le frigidaire et cette machine à laver en promotion jusqu'à Noël. Et le crédit? Oui, le crédit, c'est gratuit, 6 mois, c'est ça? 6 mois gratuit de crédit? Oui, absolument. Absolument, c'est une promotion exceptionnelle qui permet à un jeune couple comme vous de pouvoir s'installer sans trop de... Qu'est-ce que t'en penses? Faut réfléchir, on va pas se décider comme ça. Dire, ça règle pas le problème de la salle à manger, quoi. C'est ça. Je m'excuse d'intervenir dans votre discussion. Mais j'ai un collègue à l'ameublement qui pourrait, si vous le désirez, vous conseiller sur la salle à manger. En chimie, rien ne se perd, mais tout se paie. Il va être 11h30, mon cours se termine, mais je vous jure que nous ne partirons pas d'ici tant que je n'aurai pas le responsable. Vos parents vont vous râler. La vitre ne sera pas réparée. Si vous avez froid, vous vous en prendrez au comique qui l'a cassée. C'est moi, monsieur. C'est vous? Oui, monsieur. Vous aimez le tennis? Pas spécialement. Moi, j'aime. Dans 10 minutes, je dois être à Saint-Ouen pour faire une partie. Vous avez la chance. Mais si je perds, vous aurez de mes nouvelles. Vous pouvez disposer. Bastien, que ça ne vous empêche pas de balayer les débris, ce serait la moindre des choses. Pourquoi t'as fait ça, Bastien? T'allais pas te dénoncer, non? T'aurais pu être puni à ma place. Je voyais bien que lui était nerveux. Non, mais de quoi je me mêle? Je lui posais une question. Une question collante. Ah bah t'as qu'à changer de place, et puis c'est tout. Vous bouffez où? À la cantine, j'ai pas un rond. On va pas faire un flip?
Faut que je m'inquiète. Bah si, après, si tu veux. On va au café. Bon, après, je vous le dis. Bon, on fait un couplet ? Bon, j'ai les courses, ouais. Je vais jamais en course, quoi. Bah, jusqu'à maintenant... Bon, je reviens. Bah, je t'empêche pas de jouer. Hein. Bah, manquerait plus que ça. Tiens, René et moi, si on gagne, on t'en reparlera. Allez. Y a quelqu'un ? Par ici, monsieur Verschuren. Tu vois, ça sert d'être mélomane, hein? Et pour sortir, tu pousses. Janine, vous mettez 2000 sur Archange, le 307. Je peux y mettre quelque chose sur le 307, monsieur Hartmann? On peut toujours mettre quelque chose sur un cheval. Il peut aussi se mettre sur la paille. Donc moi, je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est le fils du propriétaire qui m'a le téléphone. Quoi tu penses? Bah à la grande. J'ai hâte de savoir ce que va dire le docteur Louis. Allez, pense à autre chose, vieux, ça doit pas être bien grave. Ouais. Ce qui est grave, c'est quel chevaux on pourrait jouer. Ah, ça. Après, j'ai un tuyau. Là, Archange, tu devrais regarder s'il n'y a pas un cheval qui s'appelle comme ça dans ton journal. Quoi, dans le troisième? Le 307? Ah bah ça va pas faire une grosse cote, c'est donné par la presse. T'occupe pas de ce que ça va faire. Ça va gagner, je te dis, c'est le propriétaire qui me l'a dit. Alors. Quoi? Tu connais? Montelieu? Oui, enfin, pas moi, mon fils. Enfin, le sien, le fils Montetruc, là. Ils sont au service militaire ensemble. On a quelque chose? Enfin, qu'est-ce qu'on perd? Un apéro. Je voudrais jouer le 307, le cheval Archange. 50 francs. Il s'est occupé en banc. Gagnant ou placé? Gagnant ou placé? Il va gagner. Gagnant.
Excusez, moi je voulais pas vous... Voilà, j'ai un ennui. Oh, pas grave, mais je dois aller en clinique demain pour mon œil et... J'ai besoin de papier, c'est mon mari qui s'en occupe. Mais si vous préférez, je veux bien voir Monsieur Mauroy d'abord, si vous pensez que... Mais vous êtes qui, madame? La femme de Monsieur Tasson. Tasson? Paul Tasson, oui, je suis madame Tasson. Oh, je ne le dérangerai pas longtemps. Odette, j'aurais besoin de photocopier, madame. C'est à quel sujet? C'est une dame qui voudrait voir un monsieur qui s'appelle Tasson. Tasson? Je pense qu'elle se trompe de maison. Mais pas du tout, Odette. Dites pas de bêtises. Mais vous cherchez Tasson? Paul Tasson? Je suis sa femme. Je suis indiscret, mais il a fait quelque chose? Mais pas du tout. Vous êtes divorcée, alors? Non, je suis sa femme, je vous dis. Mais madame, Paul Tasson ne travaille plus ici. Depuis bientôt 4 mois, ils ont été 3 à partir. Partir? En licenciement économique. Monsieur Mauroy a dû réduire son personnel, nous n'avons plus assez de chantiers. Depuis 4 mois? En décembre, oui. Mais pourquoi, vous avez un problème? Ah ben, pour les tuyaux, pour les courses, il n'y a que ça de sûr. Hein. Vous jouez souvent, l'ami? Oh non, ben jamais. Trop facile. Moi, c'est terrible. Même en plein désert, j'organisais des courses de chameaux. Ça ou les dominos en attendant les embuscades. Mais comme c'était plat comme la main, les embuscades... Alors, je perdais toute ma solde. Vite, là, en bas, aux toilettes, ça se présente comment? Le terrain est libre. Vous êtes africaine? Non, Haïti. Ah, oh, connais pas. Je ne suis jamais battu là-bas. La Virgen de la Cueva, los pajarillos cantan.
la sube se levanta, que sí, que no, que caiga un chaparrón, que rompan los cristales y que toquen el tambo. Porobón, porobón, pombo, porobón, porobón, pombo, porobón, porobón, pombo. ¿Cuál ha sido, papá? ¿Usted mi tu mantón? C'est la maman de Marielle. C'est qui, Marielle? Une fille. C'est ta copine? Non plus, on est déjà mariés. Docteur Louis, je vais en clinique demain. Il faut que j'y sois pour 17h. Ils vont m'inciser l'œil, me faire des examens. C'est grave? Non. Le docteur Louis préfère. J'ai trop tardé. Bon, ben, reste par là, sinon on verra Delta. Tu penses à moi, toi? Oui. T'es triste, alors? Oui. Bon, alors... samedi, quoi. C'est cool, on t'en part en premier. Ouais, c'est cool. Bon, bah, à demain. Bah, à demain. Qu'est-ce que t'as? Ça va pas? Quoi? Dis donc, quelle heure il est, là? Ouh là, ah, là, 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 seul, toi. Ouais, non. Et puis il va m'arranger ça. Oh, c'est rien.
Écoute, ma grande, je m'occupe de tout, alors tu me fais confiance. Hmm?